Cette séquence a été filmée dans un bourg de Haute-Lozère, un jour de l'été 83. Dès le début, ce film fut placé sous le signe de l'ambiguïté et du malentendu. Quelle image du pays ces cinéastes, ces ethnologues, ont-ils donc derrière la tête? Se demandaient les habitants de Grand-Rieux. À quelle sauce vont-ils encore nous assaisonner? Quelles ont été vos réactions? Elles ont été très vives. Disons que, on a trouvé que vous aviez trop insisté sur certains facteurs. C'est-à-dire que, par exemple, la sortie de la messe, vous êtes attardé sur un monsieur qui n'avait pas l'air très très aidé, quoi, comme on dit par ici, qui était appuyé à une voiture, et là vous y êtes resté un bon moment. Sur un chat, il y a eu une petite mongolienne. Et là, vous êtes attardé aussi longuement sur cette gamine. Donc on a dit, tiens, c'est bizarre. Alors est-ce qu'ils sont venus pour analyser la population ou est-ce qu'ils sont venus pour filmer notre fête? Alors là, on s'est posé des questions. On a dit, la Lozère est un pays où il y a beaucoup d'handicapés. Alors, il ne faudrait pas non plus que ça fasse comme quand il y a eu le pianiste qui est venu, qu'on nous a pris pour des Indiens. On a dit, là, il ne faudrait pas qu'on nous prenne tous pour des... Étions-nous venus pour promouvoir une image enchantée de Grand-Rieux, valoriser les représentations bien léchées du pays que les fêtes proposent, ou bien au contraire, étions-nous venus pour souligner le dérisoire des rituels festifs, attentifs à la tristesse du clown, à la vulgarité d'une phrase, à l'anachronisme d'une cérémonie? En fait, ce qui nous avait attirés à Grand-Rieux, c'était le caractère paradoxal des discours tenus à son sujet. Ce bourg isolé serait à la fois dépeuplé et vivant, traditionnel et novateur, religieux et contestataire. Notre propos, ce n'est pas d'imposer une vision cohérente de Grand-Rieux, mais au contraire, d'exprimer la diversité et le contraste des images que ce pays produit sur lui-même à travers ses fêtes. Cuirassé Missouri, en rade de Tokyo, représenta la France à la signature de la capitulation du Japon et qu'ainsi soient vengés les morts des combats du 9 mars 1945 en Indochine.
Amis de la commune du Grand-Rieu et du Canton, chers touristes, soyez les bienvenus à Grand-Rieu à l'occasion du Festival du Terroir. La fête du terroir, c'est l'occasion de montrer son pays aux autres. C'est peut-être aussi un moyen de se persuader que ce pays existe. Mais comment existe-t-il? Ça veut dire quoi un pays? Qui est en position de produire une image du pays et de la faire partager aux autres? Les stands de commandant présentés du terroir, ensuite les animaux, particulièrement les provinces sont représentées, ainsi que le tissu associatif dans son ensemble. Car ce spectacle est organisé par toutes les associations de Grand-Rieu de ses environs. Je disais, il y a 8 pièces à cet appareil, tout au long du nom. Allez, on recommence tout à zéro, hip hip hip, hourra! Alors supporters et supportrices de Grand-Rieu, hip hip hip, hourra! Hip hip hip, hourra! Merci pour eux. Arrère et Faux d'un côté, Tracteur flambant neuf de l'autre, pouvions-nous échapper à une vision simpliste de Grand-Rieu, coincée entre tradition et modernité? En fait, la représentation qui était jouée devant nos yeux comportait toute une palette de couleurs. Certaines images nous ont sauté aux yeux, plus présentes, plus chargées de signification, et en particulier trois d'entre elles. Le pays, ce serait son agriculture, son élevage, ses paysans. Le pays, ce serait son folklore, son passé, son patrimoine culturel. Le pays, ce serait enfin son animation, ses loisirs, sa vie associative. Nous avons choisi de donner la parole à ceux qui, plus que d'autres, produisent une vision globale de la culture locale, à ceux que leur fonction ou leur trajectoire place dans une position de porte-parole, de metteur en scène ou d'animateur. À ce parti pris de privilégier ceux qui, plus ou moins, occupent le devant de la scène, s'en ajoute un second, celui de laisser émerger les différences et les contradictions. Je pense que s'il n'y a pas l'agriculture, bon, mais le commerce, il n'y aura pas de commerce. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vie sociale. Donc je pense que dans un coin comme ici, c'est l'agriculture qui est la base de ça. Avec d'autres petits trucs, par exemple le tourisme,
Je pense que, par exemple, pour une petite exploitation, une partie tourisme peut y apporter un complément de revenus intéressant. Et le tourisme ne doit pas être la base de l'économie locale, ça doit être l'agriculture. Pour nous, étrangers venus de Montpellier, la Lozère, c'était d'abord des paysans, et puis des prés, des forêts, des vaches. Mais d'autres activités moins champêtres ou moins typiques font aussi vivre le pays et freinent l'exode rural. Une mine d'uranium emploie une cinquantaine d'ouvriers, dont beaucoup, il est vrai, travaillent également la terre. Mais cette mine risque de fermer. Une importante institution pour handicapés, comme il en existe beaucoup en Lozère, fournit également du travail à quelques dizaines de personnes. Et puis, il y a les commerçants et les fonctionnaires du bourg. Le bourg, pôle complémentaire et distinct des hameaux paysans, c'est le centre de la vie sociale, des échanges. C'est aussi la scène principale où se jouent les diverses représentations du pays. Par exemple, celle que propose le club du troisième âge, particulièrement actif. Il y a un répertoire qui a existé et qu'il faut quand même respecter dans son authenticité. Il ne s'agit pas de faire du passéisme avec ça, hein. Mais c'est une culture qu'il y a. Association folklorique, mais pas tellement portée sur la représentation folklorique. On en a toujours un peu, c'est vrai. Il faut revaloriser un peu ce que faisaient nos aïeux, quoi. Ouais. Mais nous, surtout, on s'est basé sur l'animation folklorique. Ouais. Alors faire participer les gens, leur faire redécouvrir le folklore et leur apprendre à nouveau à le danser. Je ne voudrais pas être méchant, mais par rapport au rock, par exemple, c'est quand même une musique qui est beaucoup plus douce, qui... Je sais pas, on le voit dans les soirées dansantes, il y a quand même une autre ambiance, quoi.
Donc je fais plus ou moins partie des Amis de la Montagne. C'est surtout pas évident quand on a envie de faire un peu autre chose en musique, même si c'est, bon, peut-être pas un peu autre chose que du folklore, mais disons aller un petit peu plus loin que 30 bonhommes qui jouent ensemble la même chose au même moment, bon, sans arrangement, sans rien de ce genre-là. Disons que ça me gêne pas mal, quoi, au bout d'un moment. On arrive à plus y trouver son compte, quoi. Bon, ça va rassembler des gens sur des choses qui appartiennent à un patrimoine culturel, ça c'est bien, mais qui aussi sont appartiennent au passé. C'est vrai que bon, ça représente pas un pays qui doit évoluer, c'est un peu bon, comme il était avant, et on remet ça, quoi. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Disons, nous-mêmes, dans le groupe, il y en a une bonne partie qui font partie de nos Amis de la Montagne. Et pour nous, ça fait aussi un enracinement justement dans les traditions, dans la culture du pays et dans le spectacle. On veut que ça soit très présent. Par exemple, ça sera beaucoup au niveau musique, ça sera beaucoup dans le style. Dans le style du pays, disons, hein, le style de la tradition, du folklore, mais des créations. Hein. Mais cette histoire, nous avons essayé d'en faire, d'y retrouver notre propre histoire, notre propre vie, la vie du monde d'aujourd'hui, avec ses cris, ses souffrances, ses injustices, avec sa soif de libération aussi. Et nous avons essayé d'y retrouver aussi l'histoire de notre région, de nos villages, l'histoire de notre vie. C'est une invitation pour les gens de se prendre en charge, de s'organiser, d'être acteurs de leur avenir, quoi, et pas simplement de le subir. Pas trop de prétention, mais vous êtes un peu une étincelle qui met le feu aux poudres, en fait. On voudrait vendre mon pays comme on vante l'objet. On voudrait brader mon pays comme on brade au marché. Mon pays n'est pas à vendre, il est à aimer. Mon pays est à comprendre, sauras-tu l'écouter. On ressent que les gens ont envie de faire quelque chose. Les gens ressentent le besoin de se regrouper, de s'organiser pour faire des choses ensemble. Et il y a par exemple une vie associative relativement importante quand même sur Grand-Rieu. Les gens sur Grand-Rieu ne sont pas forcément liés. C'est pas parce que c'est petit que les gens sont liés, même si tout le monde se connaît. Ça veut dire que quand on vient d'un peu ailleurs et qu'on veut essayer de faire changer quelque chose, automatiquement on dérange. Et donc on s'expose à en prendre la gueule, quoi. Malgré les oppositions qui apparaissent à certains moments, les liens sont beaucoup plus forts. Le plus important, c'est qu'il y ait une vie associative de fait. Dans la mesure où il y a une vie associative, je pense qu'on ne se décharge pas sur les autres, en particulier sur les élus. On commence à prendre quelques responsabilités et à prendre en main un peu le sort de cette région. Il y a le comité des fêtes, bien sûr, qui depuis quelques années fait des progrès, surtout à travers la fête votive, et d'autant plus qu'ils ne sont guère encouragés par l'ensemble de la population, de laisser travailler. Ils sont gentils de vous l'avoir dit, mais ça ne l'ont jamais dit. On aurait préféré qu'ils nous le disent à nous, ça nous aurait dit, bon, on aurait dit, bon, finalement... Ils sont sympas. C'est gentil quand même qu'il le dit. Oh, merci monsieur le curé, allez les enfants. D'ailleurs, ils devaient venir nous aider à faire des roses. Seulement, ils n'ont pas eu le temps. Nous avons des prêtres très dynamiques. C'est vrai, par rapport à certains villages où c'est plutôt endormi. D'ailleurs, monsieur le curé, c'est lui qui a créé le groupe folklorique. C'est pour ça qu'on essaye de faire le maximum d'animation pour attirer des gens et leur faire connaître... ce qu'on vit, quoi, c'est tout. Vous avez le droit de faire, on n'a pas de rapport. Non, on n'a pas de rapport mauvais. Disons que
On s'est fait traiter d'hermétique, on est hermétique. En disant qu'on est très peu apprécié parce que... Parce qu'on fait trop de choses. Voilà, on fait trop de choses. On fait des choses qu'ils n'ont jamais pu faire. On touche beaucoup d'argent, c'est vrai. Bon, disons que si les associations veulent venir, d'autres associations, on ne les mettra pas dehors, qu'ils viennent voir ce qu'on fait. Mais qu'ils ne nous critiquent pas, quoi, c'est tout. Vous allez avoir une animation sur podium avec un groupe folklorique. Vous pourrez applaudir la première folklorique, le groupe employé Magana et naturellement nos grappes en folie, nos jolies femmes ont moulé, je ne vous dis pas, au-dessous, je vous laisse deviner, enfin vous jugerez par vous-même. Une année et ce à partir du mois de septembre. Un travail acharné, un travail de longue haleine, un travail de très longue soirée. Venez cette fois-ci. Voilà, vous allez vous utiliser. Il y a des endroits où il y a toujours des gens. Là, vers Madame Bacon, on va. Mais là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui nous mette les papiers. On irait deux fois plus vite. Hein. Vous avez la chance, l'année prochaine, il n'y aura plus personne. Parce qu'on en aura le bol. Parce que... On est à se mettre la tête. Alors, on a fait combien, 4 ans? Non, après, vous comprenez, on est obligé de se mettre dans une réserve. C'est, après, on est obligé d'apprendre ce que c'est qu'un piano. Ouais, c'est pour ça, on vous appellera. On mettra les tenues locales. Sortira nos plumes. Ah non, non, c'est les plumes. Non, non, on le verrait, on l'a quitté, les sabots aussi, hein, la varie. Tu l'as mis plus de doigts ? Oui, avec les plumes au derche. C'est ça ? Aïe, 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 c'est moi encore que le verrait. Ouh, c'est dangereux, une rose sur un micro. Oh là 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 là, oh là 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 là. Thank you.
Le comité des fêtes est composé d'artisans et de commerçants. Le club de ski, lui, est impulsé par des jeunes du bourg. Il brise quelque peu l'isolement des longs mois d'hiver en attirant quelques touristes. C'est une source de revenus non négligeable pour les commerces de Grand-Rieu qui ont du mal à survivre en dehors de la brève saison d'été. Pas trop, hein. Mis... quand même. Michel. Alors comment tu as mis Michel hein? Moi j'ai mis du scar, voilà. J'ai mis du bleu, non oui. Moi j'ai pas du rose, hein. C'est juste légèrement. Déjà c'est plus pareil. Hein. Les associations sur Grand Rieu, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui font aussi pas grand-chose. Bon, c'est des associations bien souvent qui sont portées aussi par une seule personne. Donc si la personne s'en va, ben, tout se casse la vie. Et aujourd'hui encore, l'église fait du poids parce qu'il faut bien voir que quand c'est éventuellement le curé qui fait quelque chose ou autre, il y a grande chance que ça réussisse. Et si nous avions été abusés par le caractère spectaculaire des fêtes, traduisent-elles vraiment la vitalité de la vie associative? Ou bien masque-t-elle le silence d'une majorité qui reste pour l'essentiel à l'écart de ces mises en scène? Parler d'un pays, délimité, défini, homogène, ne serait-ce pas entretenir un mythe, efficace et mensonger, comme tout mythe? Et si Grand-Rieu n'existait que comme la somme de ses différences, celles que les fêtes révèlent et celles qui restent en coulisses, celles dont nous avons capté les images et celles qui nous ont échappé? Dans votre film, il est très bien pour la vie locale, oui. Animation, folklore et tout ça, ça va impeccable. Le marché du dimanche matin, vous l'avez bien filmé, mais dans la vie locale, le commerce locaux, c'est-à-dire où il y a les boucheries, il y a les boulangeries, il y a les alimentations, bon, mais c'est ce qu'il faudrait voir sur Grand-Rieu. Les campagnes sont mises un peu de côté, il n'y a que Grand-Rieu comme moi, il faudrait voir un peu les campagnes. Je pense que vous avez aussi poussé beaucoup sur la fête. Je sais bien que nous ne sommes pas quand même des gens très tristes, mais les inconvénients, les ennuis, puis l'amertume chez les jeunes, on n'en a pas vu beaucoup. Je crois qu'ils n'ont pas toujours des raisons d'être très gais, les pauvres. On ne connaissait pas votre but, mais là je vois que si enfin, moi je pense que le film est, ça représente bien. Il manque quelque chose. Non, on n'est pas déçus. Je trouve très bien, moi. C'est bien représenté. Je crois, moi, que le film ne traduit absolument pas la réalité de Grand-Rieu. Il traduit sa fête, mais les gens ne vivent pas que de fête à Grand-Rieu. Ils vivent, beaucoup de gens vivent difficilement. Je vois mal un jeune aujourd'hui, ayant 20 ans, vivre convenablement à Grand-Rieu. Parce qu'ici, il n'y a pas d'école, à partir de 11 ans, on est obligé de partir déjà. Alors, c'est pas... Puis après, on a fini l'école, il faut partir pour chercher du boulot, qu'on peut pas rester ici, c'est pas possible. Sur le film, on voit, il n'y a aucune interview sur un jeune qui a entre 15 et 20 ans à peu près. Oui, de grands. Après, il y a tout le reste de l'année à passer ici, à traîner dans les bars, parce qu'on sait pas que faire. Ou... Essayer d'être gâte pour jouer à la belote, c'est pas tout le temps marrant. Hein. Lorsqu'on voit les informations de la météo,
On parle partout, il fait beau, mais ils viennent pas voir qu'en Lozère, on a un mètre de neige. Hein? Alors, vous savez... Et je peux vous dire que cet hiver, quand à la télé, on a vu qu'à Nice, là, sur la promenade des Anglais, il y avait 30 cm de neige, moi j'ai dit, c'est bien fait pour leur gueule. Ils verront ce que c'est.